Je prépare mon pitch pour l'opération 500 000 et moi. Je le fais sous forme de mind map. Le mind map, c'est un schéma centré avec un centre et l'idée principale et une arborescence qui part tout autour avec des mots-clés sur chaque branche. Ça stimule le cerveau gauche et le cerveau droit. Ça apporte beaucoup de créativité. C'est ce que je recherche là pour optimiser mon pitch. C'est un des outils que j'utilise avec les enfants en difficulté scolaire ou les étudiants que j'aide à préparer un entretien ou un examen. Je partage une devise avec Albert Einstein, c'est que ça ne sert à rien de faire un peu plus de la même chose pour obtenir un peu plus du même résultat. Autrement dit, si on fait exactement la même chose que ce qui est proposé à l'école en cas d'échec, on obtiendra juste un petit peu plus d'échecs. Donc, j'utilise des outils innovants pour mener les enfants vers un retour à la confiance dans leurs capacités, la maîtrise de leurs apprentissages. Ils apprennent à apprendre. Les parents sont soulagés et puis je peux les accompagner, eux aussi, dans leur questionnement sur l'éducation. Qu'est-ce que je peux faire parce que bébé pleure tout le temps? Qu'est-ce que je peux faire parce qu'il se chamaille? Qu'est-ce que je peux faire pour me faire obéir? Qu'est-ce que je peux faire parce que l'adolescent de la famille est toujours de mauvaise humeur? Alors ensemble, on chemine vers l'harmonie familiale. Je travaille dans la région de Dinard, Dinan, Saint-Malo. Et puis, je partage mes idées sur un blog, lesparentsontdutalent.fr. Alors, venez discuter avec moi. Et puis, pour cette opération 500 000 et moi, votez pour moi.